Salut à tous, c'était H5 et Monsieur Rena. Salut à tous mes bébés. Là là là. Alors, on se retrouve pour un live, ça faisait longtemps. Donc, on est sur H4, là on va se promener. De base je voulais faire un live sur Mixer, sauf que Mixer c'est terminé. Clip. Mais t'es fort toi, t'es. Mais je continue à foncer, je vais m'arrêter. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ça te dit de terminer. Tu vois, les histoires d'horizon ou pas? Ouais, vas-y, chaud. On fait quoi? Roi des prouesses, club de drift, le cascadeur. Il y en a qui Merde. Français aussi, tu l'as pas terminé. Le cascadeur. J'ai pas terminé quoi? Ah oui, là. Oh là là. Oh le bâtard. Putain. Et il y a déjà 4 spectateurs. Salut à vous. Salut tout le monde. Je commence bien le live avec des fautes de prononciation. Grave. Bon, alors du coup, on fait quoi? Franchement, je serais chaud pour terminer tout ce que j'ai pas terminé, notamment un truc que j'aimerais terminer là, ça serait il y a le cascadeur comme je t'ai dit. Ou sinon où il y a Lara Serre aussi. Maintenant, c'est la 10 sur 10. Invite-moi et lance ce que tu veux. Ça marche. Vas-y, je vais me TP. Je me TP, je t'invite. Il faut que tu m'invites dans ton con. Ah, c'est bon, je suis dans ton. Ah, mais c'est moi le chef. Bah, du coup, tu fais quoi l'activité et tu lances. C'est laquelle du coup tu veux faire? Là, je peux pas voir ce que j'ai pas fini. C'est cascadeur. Ouais. Mais moi, j'ai fait que 2 sur 10. Ah, ouais. Vas-y, je me téléporte. Je t'explique pourquoi je vais faire ça, parce que je vais terminer la carte aux étoiles, tu vois. Et tu as un moment, tu as justement les défis proches, et il y en a un qui m'intéresse parce qu'il y a la Ferrari 812 Superfast à gagner. Et j'en suis à la moitié. Ah, bonjour. Voilà. Ah, j'ai lancé, faut que tu rejoins. C'est bon. Qu'il faudrait rejoindre parce que t'as pas rejoint. J'ai appuyé sur X mais j'ai oublié d'appuyer sur A.
Phantom Tower. Cette prochaine cascade va nécessiter une maîtrise, finesse et... Ah, la Lamborghini gagne un peu. Je te confie la voiture pour que tu puisses la prendre en main. Je préfère les décapotables. Ne les gratigne pas trop, d'accord? Elle doit être toute belle pour la prise. T'as fait conduit proprement. Ça va, on dirait que à chaque fois je conduis comme... premier virage, voilà. Premier virage avec toi, c'est waouh. Moi, vu qu'on te arrête toi avec le volant, c'est juste un plaisir. Conduis bien, hein, ce qu'on a dit. C'est ce que je fais, je conduis bien. Bon, ok, je prends dans quelques murs, mais je conduis bien. Des fois, je regarde le chat. Tournez à gauche. Il n'y a personne qui est gris pour l'instant. Bon, je suis arrivé trop vite. Je sais pas toi, mais moi j'apprécie pas trop l'hiver. Je préfère mieux l'été ou le printemps. Moi pareil, l'hiver c'est horrible. Ouais. Bon, ok, des fois c'est beau quoi, mais par contre le soleil c'est chiant. Catastrophe. On arrive dans la partie la moins drôle avec de la neige. Ouais, je vois ça. Il s'agit d'un autre saut. C'est toujours le même film. Apparemment, ils ont essayé de faire la scène en image de synthèse, mais le résultat était nul. Tu vas donc la faire en vrai. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Bien, c'est ici. C'est pas évident. Salut Maxime, content de te voir sur le live. Concentre-toi bien et prends suffisamment de vitesse. Il fallait sur le lac. Avec ça. Oublie la rivière, oublie les rochers. Concentre-toi sur ta vitesse et la rampe. À mon avis, tu dois arriver à au moins 160 km/h pour atteindre l'autre rive. Comme je t'ai dit, hein, Maxime, le live un sur Mixer, en voiture, ben, c'est mort. Ça fait mal, crois-moi. Mais on a renforcé la suspension et le harnais 5 points. Streamlabs a déjà enlevé le service Mixer. Bonne chance, gamin. Du coup, c'est un peu cher. Oh, bah, ta chance sans rancune, hein. 767. Saut de la chute d'eau. C'est chiant, à chaque fois, je dois éteindre la radio. Pourquoi ils auraient pas dû. Ils auraient pas pu faire directement la radio coupée. Vitesse, stabilité et hauteur. Tu peux y arriver, gamin. Je sais à combien, mais... 140 mètres. Et coupé. Ah, je peux, je fais combien? Bien sûr que ça va. Pourquoi je demande? Je fais 152 mètres. Oui, justement, à ce sujet, ne t'inquiète pas, je vais la réadapter. Voilà, ça va passer d'une vidéo... Surtout que je parlais de mes problèmes YouTube. Ouais, t'inquiète pas, ça je vais garder. Il va y avoir des passages qui vont couper forcément vu que maintenant, Mixer c'est fini, hein.
faut que je réadapte la vidéo. Et du coup, pour la prochaine, non. Merci d'être passé. Il faut qu'on retourne une scène. C'est le vrai Francky Beaumont qui a fait la première mise. Après ce live, je pense que les prochains lives, ça sera sur des jeux différents. Genre du Apex, mais cette fois-ci sur PC. Hein. D'ici là, je pense que j'aurai déjà fini la main sur la voiture en chemin. Le montage de mon nouveau PC. Hein. Je te suis. Ah oui, ça. On se voit là-bas. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. De retour à Broadway. À croire que les villages anglais sont à la mode dans les films en ce moment. Bien, fais quelques étirements et on pourra y aller. Bon, Francky n'est pas chaud pour les cascades un peu trop risquées. Il dit que ça colle pas avec le personnage. Ah, ces acteurs tous les mêmes. Je m'en souviens. Mais toi, tu vas écraser l'accélérateur et tout fracasser à coup de dérapage et de glissade. Il va falloir faire le plus de points de prouesse. Pourquoi ? On choisira les meilleurs passages après. Au volant. Eh ben, rien de ma vie. Oh, tu vas y arriver. Ok, 16-82. Course poursuite dans le village. Action! Je savais pas qu'il fallait faire ça. T'es fort en drift, non? Normal, non? On va faire un drift, là. Y'a un trajet spécial à faire ou pas? Non, non. Des fins de presse libre. Là je vais faire quelques petits drifts. Merde, j'ai merdé le saut, je me suis retourné, j'ai perdu les fins de presse. Ah sérieux? De quoi? Enfin, le meilleur pote de Maxime s'est fait agresser. De toute façon, on va le dire, hein, les mecs de cité, hein. C'est quand même ça, hein. Pas de respect. Hein. D'ailleurs, t'as combien de temps de presse là? Seulement 4400. Je suis à 18 000, 19 000 là, 20 000. C'est pas bien. Le pire c'est que je n'entends pas, tu sais, vu que j'ai fait en sorte que j'entends plus le centre-là et tout. Ça ne va pas être dérangé. Je passe à 1 cm de la maison, j'ai eu peur. Surtout ne fonce pas dedans. Non. T'as loupé le saut. C'est à chaque fois qu'on doit recommencer. Je me suis retourné, j'ai perdu 31 000 points de prouesse. On va devoir recommencer. Oh, je suis dead. On a l'air aussi débat. Allez, on se remet en place et on la refait. Ah, j'avais 31 000 points de prouesse.
Ah, il s'est mangé un coup à la tête. Ah ouais. Ah, c'est chaud là. Merde, je lance avec tout le monde. Oh. Ça fait rien. C'est normal, Maxime, que tu t'inquiètes. Hein. Quand son meilleur pote s'est fait agresser. Bon, je t'attends pour que tu lances, hein, Tifou. Enfin, Sirena. Mais j'ai déjà lancé. C'est toi que je t'attends. C'est toi qui a pas rejoint. Ah, je relance. C'est bon. Oh, je suis dégoûté d'avoir pas vu transmettre en face. Merci d'être passé. Il faut qu'on retourne une scène. C'est le vrai Frankie Beaumont qui a fait la première prise et le résultat n'était pas vraiment à la hauteur. Non, ce qu'il nous faut, c'est un cascadeur professionnel, hein? Rends-toi au village, tu pourras te faire la main sur la voiture en chemin. Attention, avec une dernière levée, c'est de la... c'est une merde. Je te suis, t'en fais pas. On se voit là-bas. Voilà, tu peux passer les vitesses plus rapidement que moi. Alors le problème c'est qu'en automatique, tu sais, quand les vitesses elles passent, la voiture elle est ralentie. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça. Si. Et je comprends pas pourquoi. À 400 mètres, tournez à droite. Comment ça se fait que la vitesse, à chaque fois que tu passes une vitesse, elle descend? Tournez à droite. De retour à Broadway. À croire que les villages anglais sont à la mode dans les films en ce moment. Bien, fais quelques étirements et on pourra y aller. Ok, ça marche, Maxime. Vas-y, à plus. Et merci de ton passage. Frankie n'est pas chaud pour les cascades un peu trop risquées. Il dit que ça colle pas avec le personnage. Ah, ces acteurs tous les mêmes. Question TH5. Pourquoi sur ton live s'écrit Apex et GTA? Et tout fracassé à coups de dérapage et de glissade. Pas vrai? Parfaitement. Bon, on choisira les meilleurs passages après. Donc je modifie le texte. Après, on n'a pas le temps. Ok, scène 82. Course poursuite dans le village. Action! Moi, je suis en train d'écrire. Voilà. Je vais pas perdre trop de temps et je vais pouvoir faire des points. Ouais, ça sert à tout le monde. Ah, j'ai eu chaud. Moi aussi j'ai eu très chaud. Trente-quatre mille fois 5. Attends, je vais prendre
au tour de vie. Je vois ça. Même pas de carambolage. Faire en demi, 6x5, ça fait combien? Aucune idée, je suis pas bon en maths. J'ai fait 207. What? Tu vas être choqué avec tous les points que j'ai fait cash. Bon travail. Ça veut dire que grâce à tu vas être choqué. Tu vas être. Regarde le score que j'ai fait. Tu nous as fait une belle démonstration dans le village. Vas-y, je vais voir ça. Je suis choqué. Putain, fois 5 ça donne, hein. Ouais. Bon, j'ai pas d'idée. J'ai fait 216 000. Gauche chapitre. Je me tapais, j'ai avancé avec tout le monde. T'as déjà tout fait les défis? Pas tous, pourquoi? Enfin, si je les ai tous fait, mais il y en comme a ça. J'ai pas eu 3 étoiles quoi. Ok. Content de te revoir. Quelqu'un a rejoint le groupe? J'ai parlé au réalisateur du. Ouais. Allô? Ça se passe sur un circuit routier. C'est pas tout près. Alors prends la voiture qu'on utilisera pour la cascade. Hier, mais réussi. Ne la cabosse pas, ou le directeur artistique me tuera. La 5 pour combien tu m'achètes ça? C'est là-haut, dans les montagnes. Tu crois vraiment que j'ai les moyens? Chien, pourquoi tu coupes pas, ouais, je suis en sofa de ça. Le mec il a un bras bus, il coupe pas. Ouais bah alors j'ai on n'est pas sur le Gran Turismo. Et alors c'est pas parce que j'ai un SUV que forcément ça veut dire que je dois rouler sur la terre. Hein. C'était pour la route. Hein. J'espère que le mec, j'espère que le joueur qui est dans le groupe il va pas mettre de la musique. Merde. Par contre loin toi, t'es derrière moi. Bah là je coupe pas, je prends mon temps, je suis à 200. Par contre après tu vas voir ça 220. Va parce qu'il va falloir couper correctement. Je me suis pas du tout mangé une barrière. De toute façon je t'ai pas vu alors. Pas vu, pas pris hein. Va dire ça à ta copine, elle va te goumer. T'es fou toi.
Toi, tu veux vraiment que je me fasse sauver. Quand je dis ça à la même fois, je suis mort. Il te fait quoi? Il percute, un coup de poing. Le marave. Elle te balance par la fenêtre, elle te jette sous un bus ou sous un train. Elle me tue carrément, ouais. Ok, avec quoi? Je sais pas avec quoi. Elle, son kiff et mon kiff, c'est tuer une personne, mais pas la tuer directement. La faire souffrir. On est vraiment en train de parler de meurtre, là? Toi, oui. Pourquoi pas toi? Parce que moi, je suis parti sur de l'humour et toi, t'es parti sur un sujet en plus avec une voix vraiment... c'est pas de ma faute si je suis comme ça, Pélo. Je sais pas ce qui t'a pris d'aller sur ce terrain-là, mais... Il y a une arme. Gros, les arbres, ils traversent la route chez moi. Je sais pas si tu connais. Ah oui, il faut faire attention à ces temps-ci. Les arbres, sont chiants. Le pire, ce sont les lampadaires. Moi hier j'en ai vu un traverser à toute vitesse, je te dis pas. Oh la vache. Et les... Ça t'a stoppé. Ouais. Mais bon, heureusement maintenant il n'y a plus de cabine téléphonique. Hein. Parce que attends, avant, les cabines téléphoniques, ils sautaient sur les voitures. J'avais marre des humains. C'est ça. Oh, moi je suis déjà arrivé. Hein. Depuis que Maxime a quitté le live, c'est plus calme dans les commentaires. Mmh. Ouais, je prends 1000 ans pour arriver. Hein. Ouais, bah j'ai pris la route. Excuse-moi d'avoir voulu voir un peu de paysage. Pour faire 3 étoiles, il faut traverser des champs. On va faire la route. Un jour, ta femme est enceinte, tu dis attends, regarde le paysage. Arrête de crier, regarde, c'est beau là. Regarde là où je t'emmène, c'est beau. Ok. Mais gros, il te reste une minute. Je sais pas où t'es, mais... Tu pouvais couper, hein. T'inquiète, là, va falloir couper. Ah, le sommet du monde, hein. Profites-en, tu redescendras. Et tu coupes, tu fais pas paysage, hein, monsieur. Je sais pas toi, mais moi, j'ai un oublié. Petit bug d'affichage. C'est un mec que je vois en dessous de la map. Sous la neige. Tout le monde a moi, pareil. Je vois en dessous de la map. Tu es censé préparer ton plan diabolique au sommet de cette montagne, ou quelque chose comme ça, mais peu importe. Tout ce que tu as à faire, c'est descendre aussi vite que possible. C'est bizarre, on est arrivé, le 4x4 était tout seul, et là il est tout propre, tout neuf. Pas réaliste ce jeu. Bon, t'es à 5, dernier arrivé. C'est bon ? Bien. 7, 14, dernier arrivé, doit annuler. Lui il rigole pas vu qu'on dit descendre TH. T'as vu hein? Pour monter j'y vais tranquille, mais pour descendre. Je vais me retourner. Et puis aussi c'est peut-être parce que c'est un peu. C'est que ça? Tourne putain! Oh là là. On va pas avoir les 3 étoiles, TH5, t'es trop en retard. Moi aussi, non. J'arrivais pile à 50. T'es loin.
Faut que tu prennes la même route que moi. Je vois, j'ai un peu merdé, après je me suis retourné. On peut pas utiliser ça. Ne me demande pas pourquoi. Tu vas devoir remonter en voiture et recommencer. Raboter, je t'applaudis pas. Pourtant, c'est ce que tu as fait, tu m'as applaudi. Et ouais. Parce que monsieur fit de la merde. On va pas pouvoir recommencer. Incroyable. Donc on voit. On était auquel? On était au 5, au 6, au 7. Le 4, c'était quoi? Démolition en temps. Alors... Moi j'ai pas une étoile, j'ai 3 étoiles au 1, au 2, au 3, au 4. Au 5, j'ai 0 étoiles. Let's go. Son TH quand tu te cherches mon copine. Maintenant 5 spectateurs. Hey, oh, l'Alpine. On fait une petite pause sur le film de Francky Beaumont. Je me disais que tu pourrais m'aider sur un petit projet. L'ancienne, je l'adore. La nouvelle, j'aime son style, mais j'aime pas. La nouvelle, je suis pas trop fan. On fait une course jusqu'à là-bas. Non, non, je blague. Je suis. C'est quoi que t'aimes pas chez l'Alpine? Elle est trop pointue. Moi, j'aime pas du tout. J'aime l'ancienne, mais pas la nouvelle. Tu sais, le cinéma d'auteur. Ouais, mais elle est énervée là, Alpine. Mais il s'agit de la plus célèbre traversée de Paris qu'on ait jamais filmée. Elle dure seulement 8 minutes. Et je reçois plein d'invites. Là, je viens de recevoir une invite, tu vois, sur France 2. Et mais ce soir, je sais pas. Ouais, mais elle est énervée. À 400 mètres, tournez à gauche. Je sais pas pourquoi ce soir. Ça sent qu'il va se manger un arbre, pas du tout. Déjà, avant qu'on commence le live, je reçois une invite d'une personne. Tournez à gauche. De base je jouais pas trop avec. Après il y a eu bah, une personne qui est dans la rue et qui parle pas. Et là j'ai reçu une avis. Ouais moi pareil. Pour garder la trajectoire et tout ça c'est un peu chaud patate. C'est l'Alpine. 400 mètres, tournez à droite. Les défis horizon, tu vois, je les ai déjà tous terminés. Et toi? J'ai rien fait. Tu n'as pas fait les défis hivernales? Non. Les étés. Voté Forza Horizon 4, ça m'a lassé. Je suis parti rejouer sur le 2 et le 3. Ah, même moi, j'ai été sur le 2. Ça m'a manqué de conduire. Ça m'a trop manqué, je te jure, de reconduire à droite. Pour le truc que je viens de faire, TF5, j'ai ramené tout mon bureau avec moi. Ouais, par contre, attends. J'avais deux voitures à gauche et une voiture en face. Il est en train de spammer. C'est qui spam? Je sais pas. C'est le. J'ai pas eu le temps de voir son pseudo, mais je pense à que des indices et je vois que ça commence par un A. Je sais pas si toi aussi tu reçois des invites à jouer à Forza. Ouais ouais. Voilà. Oui c'est à Alpha ou à Place, je sais pas ouais, qui c'est là. Ça. Je regarde pas son pseudo. Même moi. J'ai failli manger une voiture là. En vérité je trouve que je conduis bien. Je
Je te distancie, t'es pas chaud. J'ai vu ça en effet, tu m'as distancé. Par contre, à 240 dans la vie. Wouah, je sais pas ce qui est tombé, mais ok, ça fait peur. Tournez à droite. Ça a l'air d'être un truc en plastique. Prenez la deuxième sortie. Moi, c'est un truc en bois. Attendez. Ah ouais. Flippé. Ah, je me suis mangé une bagnole. Oh là là. Avant que j'enlève ce mot dans ma bouche, là, oh là là, là, j'en peux plus. Je veux rendre un hommage. Sauf que j'ai choisi la plus belle des capitales d'Europe. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est de la merde, la saison. Bien. Et en fait, tu veux qu'il se passe où, toi, le prochain Forza? Il ne te reste plus qu'à foncer. Je veux que ça se passe à Tokyo. Y'a tout le monde qui veut Tokyo, là. Non, pas moi. Y'a tout le monde qui veut Japon et Tokyo. Parce que moi, j'en ai marre de conduire. Moi, je veux Japon. J'en ai marre de conduire à droite. C'est à gauche. Hein? C'est à gauche qu'on joue, dis. C'est à conduire. Ouais. J'en ai marre de conduire à gauche. De conduire à droite. Attends, ce que tu fais. Là, on avait des gâtés, machin. Je sais pas, je veux que ça soit une autre ville européenne ou que ça soit de nouveaux États-Unis, mais voilà. Puis tourne à droite, pour rentrer dans Newton. Il y a eu l'Australie, maintenant le Royaume-Uni. C'est bon, faut que ça se calme à un moment. Je le Japon, c'est trop bien. Il y a d'autres endroits qui sont beaux que le Japon. Je suis envie de conduire à Rio, frère. Ça, j'aime pas du tout Rio. Enfin, c'est pas que j'aime pas. J'aime bien, mais il y a trop de crimes. Trop de merde. Et je voudrais que ça soit un endroit où il y aurait la France. Qui refasse l'Europe, mais cette fois-ci l'Europe du Nord. Car ils ont fait l'Europe du Sud hein, avec remonte l'Italie et le Sud de la France. Le long des jardins. Allez, plein gaz. J'aimerais bien voir. Imagine ce que ça donnerait un Forza en Suisse. Maintenant, sors de la ville, sans percuter un tram. Sachant qu'elle est fonce. C'est ce que je fais, je suis à 224. Je suis déjà arrivé, je suis pas où t'es. Je suis en train d'arriver. T'as combien de kilomètres? Oh, oh, GG. T'es formidable. Mais ne dis à personne que c'est toi qui pilotais, d'accord? Et voilà, 3 étoiles. Ça sera notre secret. Pas des boss, nous. Et tu dis, il y en a... Tout le monde veut aller au Japon. Mais moi, quand je vais sur... Oh, les champions, c'est trop bien. Il y en a qui sont comme moi et qui veulent pas être au Japon parce qu'ils en ont marre de cette conduite à gauche. Moi, je veux le Japon parce que déjà, je vais aller conduire sur le circuit ou genre la ligne initiale d'espace et pour visiter déjà les paysages aussi. Le Japon, c'est juste magnifique, il y a H5 des temples et tout. Non, je suis pas trop branché, Asie. Moi, mon pays préféré, c'est la France. La France, votre Pyrénées, là. La France, c'est Rémi. Il y a de belles choses à voir en France. J'aime pas la France. Souviens-toi lorsque on allait à Nice et qu'on se promenait dans les quartiers de Nice sur FH2. Ah ouais. C'était beau. En fait, il y a en France, le seul truc que je vais aller voir, c'est Nice. Non, il y a rien qui m'intéresse. J'aime pas la tour de Paris, en fait. Ah, Paris aussi, c'est beau.
y a plein de petits courts-métrages et d'art bourgeois fait quelques vagues. Apparemment, la ville n'est pas fan du cinéma vérité. Il faut obtenir des autorisations. Je déteste Marseille, je ne pas. Mais bon, ah, Marseille, ça dépend. Il y a aussi quelques endroits beau à voir. Revenons à notre projet cinématographique. Par contre, en effet, faut le bois de Boudin aussi, il est beau à voir. Jusqu'au tunnel de l'autoroute du Sud. Un TH. Le bois de Boulogne, il est beau à voir. L'équipe chargée des cascades est en place. Je te rejoins d'ici peu. Je sais pas, toi, quand tu seras à Paris, tu vas pouvoir aller voir ça. Ouais, c'est ça. Je vais pas, mais c'est fou. Je te rappelle, je suis en couple, monsieur célibataire. Tu sais, la journée, tu peux y aller. Hein. Tu vas à 400 mètres. C'est vrai que le bois de Boulogne, il s'en arrête plus facilement. Tournez à droite. Ils sont vraiment le bois de Boulogne. Oui. À 400 mètres, tournez à gauche. On est sur la neige avec des Américains, propulsion. Bon, là, tu vois, il y a des châteaux britanniques, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment les châteaux européens. Ça, c'est beau à voir. J'ai peur d'accélérer dans le virage parce que comme c'est une propulsion hein. Et ta queue, voilà quoi. Ah oui, en fait, c'est facile avec donc, ouais. Je fais en live, cette fois-ci ça sera un live solo parce que j'ai juste rediffusé le live de Microsoft hein, le 23. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Toi, qu'est-ce que t'attends de la conférence? Faites demi-tour dès que possible. Quel jeu tu attends? J'attends le jeu qui sort en novembre. Compliqué. Les gars ont travaillé jour et nuit, mais je sais que tu peux y arriver. Je l'ai vu. Pourquoi la France est mon pays préféré? Bah parce que c'est déjà le pays dans lequel je vis. Et aussi parce que j'aime la culture française. On a des bâtiments qui sont magnifiques en France. J'ai pu faire un peu le tour de toute la France et j'ai notamment le sud. Et j'ai remarqué que chaque région a son petit truc qui fait que c'est beau quoi. 79A, destruction de barrage, action! La route est sécurisée, mais fais en sorte que ça ait l'air dangereux, d'accord? Lâche-toi sur le rafales. Non, gros, je suis au volant, gros, je suis en train de me débattre dans tous les sens avec le volant. Maintenant, fonce par là. Il y a une rampe. Mais c'est quoi ça? Saute dessus. Prends-toi un chemin à travers les débris de l'autre côté. Mais pense à lever la tête quand même. Arrête de me pousser! Tâche! On va recommencer les rimes ma vie. Ouais, c'est sûr qu'on va devoir recommencer. Oh, c'est pas de ma faute, hein, c'est la voiture qui compte pas. Suis la route et fais de belles embardées à l'intérieur. Mais fais gaffe, tu croiseras d'autres gros obstacles. Voiture de merde là. Eh, critique pas les Dodge, ce sont de très bonnes voitures. Dodge c'est de la merde. Même si ce film bon, ouais, je préfère la route. Je pense que les gens iront le voir pour tes cascades. C'est peut-être tout ce qui les intéresse. Et toi tu penses que... C'est l'américaine que j'aime, c'est les américaines genre Chevrolet SS, tout ça. C'est les vieilles que j'aime. Pas des nouvelles. Ouais, c'est vraiment les Mustangs. J'aime bien les Mustangs actuels, mais je préfère les anciennes Mustangs. Et après, il y a les Mustangs que je déteste. Du coup, les Mustangs de 80 à 2000, qui sont moches. Et qui ressemblent même pas à des Mustangs. C'est les vieux, c'est toujours les meilleurs, hein, comparé aux nouvelles. Okay.
commences à te faire un nom dans le métier. J'ai bien fait de partager tes exploits. La Pag Mini, c'est la publicité pour une voiture. T'as vu ce qu'il a fait, les tonneaux. Ça rapporte bien, mais ouais, ça peut devenir ennuyeux. Bon, elle est réparée maintenant. C'est qu'il faut le prendre à la rigolade. On dit bien fait pour les... Déjà, j'aime pas sa mini, frère. Le truc que j'aime pas, c'est les trucs sur le côté, les carbone. Je sais pas pourquoi il y a ça, c'est moche. Ouais, c'est vrai. Après, elle fait un prends beau son. Prends ta voiture et rejoins-moi sur le tournage. Ouais. Je t'expliquerai. La mini GT, j'aime bien mini. Moi, ça va. C'est pas un véhicule que... Ouais, c'est ça aussi, ça va, quoi. Ah, j'aime bien aussi. J'aime bien le look de la mini, quoi. À 400 mètres, mais franchement, c'est pas une voiture que j'aimerais au quotidien. Grave, moi non plus. Et une voiture que je détesterais avoir, c'est une voiture électrique. Sauf les Tesla, parce que les Tesla, ça fait partie de l'âme de Tesla. Non, mais après, moi, je voudrais bien avoir une Tesla, mais... Ouais. C'est pour ça que j'ai dit sauf les Tesla, parce que les Tesla, tu vois, c'est normal qu'elles soient électriques, sinon ça ne fait pas des Tesla. Et surtout, c'est la meilleure voiture. Et elles sont hyper luxueuses, hein, les Tesla. Ce sont les seules voitures électriques qui me tentent. Manger des droits d'auteur à force d'oublier la musique. À 400 mètres, tournez à gauche. Et toi, tu penses quoi des véhicules électriques autres que Tesla, bien sûr? En vérité, moi, une future voiture, quand je serai en France et tout, quand j'aurai mon travail, à ma petite maison, avec ma copine et tout, je pense que déjà, ça serait une Audi pour clin d'œil à quelqu'un. Et après, je pense que prendre une Tesla. Hein. Toi, je sais pas, toi, TH. Moi, ce que déjà, je pense que je commencerai avec une petite voiture, tu vois. TH5. Ouais. Quand je dis petite voiture, c'est genre, franchement, j'aime bien la Clio 5. Aujourd'hui, Renault a une mauvaise réputation, mais pourtant, la Clio 5 est même la nouvelle génération de Renault. Faut avouer que ce sont des bonnes bagnoles. Je trouve qu'aujourd'hui c'est plus mérité les critiques qui se mangent au Renault. Car aujourd'hui ça sent vraiment de très très bonnes voitures. Franchement il y a la Clio 5 qui me tente. Il y a Ford aussi. TH5, t'es là, on t'entend plus. Ouais, je suis là, tu m'entends? Donc, pour résumer, c'est une citadine pratique. Économe, facile à garer, tu vois le topo. Du coup, tu m'entends? Tout ça c'est bien beau, mais... D'accord, je suis seul maintenant, c'est dans l'opérateur du live, enfin, c'est moi qui m'occupe du live. T'en fais pas. Cool. Ils sont... Un conteneur. Attends, pourtant, moi je vois que je m'entends, que mon micro fonctionne. Ouais, attends, le son de mon micro c'est bon. Ouais, en fait, c'était bon, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai gardé et tous mes paramètres sont bons. Mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas suivi, j'ai peut-être une idée qu'il y avait un petit problème. Regardez votre voiture dans la zone de destination. Oh, je savais pas. Bon, je veux dire qu'on a raté le défi, hein, au lama. Bon, vous n'avez pas réussi. On va pas utiliser ça. On met tout en place et on la refait tant que la lumière est bonne. Tu m'entends ou pas?
sais que tu m'as fait une blague. Allô, TH? Ouais. Toi, tu m'entends? Ah. Moi, je t'entends pas. Ah ouais? Mais bon, on m'entend dans le live. Allô, TH? Là, tu peux parler pour voir? Ouais. Voilà, c'est bon. Mais c'est bizarre, j'ai un bug de son. Je kiffe ma vie. Ok, du coup, c'est toi qui avais un bug de son. Grave. Toi, tu m'as fait peur, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, il m'entend plus. Est-ce que du coup, dans le live, on m'entend? Je regarde le retour son, tu sais, du logiciel, et là, je dis, ah ouais, c'est bon, en fait, mon son, il fonctionne. Et... Tu m'as fait flipper, je te jure. Du coup, en fait, finalement, je sais pas si on va faire du GTA. Ouais, il me reste sur Fogo. Ouais. C'est surtout que là je vois l'heure et surtout vu que demain j'ai pas mal de choses à faire aussi. Ok. Pense que voilà, je vais faire soit 1 heure et demie de live et après je coupe. De toute façon là on est déjà à 53 minutes hein, de diffusion. En vérité, une heure passe vite. Hein. Le tournage du ouais. Film de Frankie Beaumont reprend. Les producteurs m'ont dit qu'ils avaient presque terminé d'ajouter les scènes de cascade. Maintenant que tu es là, je leur ai dit qu'ils pouvaient en avoir autant qu'ils voulaient. La route passe juste au sud du Lake District. Tu aussi t'as la Bugini Hurricane Performante? Ouais. Ah, t'as ma voiture? Ah non, mais. Ah non. Là, c'est avec nos voitures. Mais moi je suis en S1, je suis d'origine, c'est la voiture de lui. Lui il est en X, lui. Moi ma voiture elle est full d'origine, c'est un véhicule RP. Allez, salut! À 400 mètres, tournez à droite. Même moi je l'ai laissé d'origine, la performance. Tournez à droite. Il n'y a que la Centenario que j'ai en X et une Bugatti aussi. La performante, j'en ai deux, tu vois. Il y en a une que j'ai essayé de monter en X. Mais en fait, ça apporte pas grand chose. Hein. Ah, j'en ai trois. J'ai une en X, j'ai une d'origine et mètres, une autre en S2. Comparé à la scène j'ai fait scénario, une. Franchement, laisse tomber. Hein. Ouais, elle vaut pas la scénario, la performante. Pour ça, j'ai remis ces réglages et j'ai vendu la deuxième et j'ai gardé celle d'origine, tu vois. Moi jusqu'en quatrième ma performance elle patine. Bravo. On va sortir ça. Tout son avec le puissant. Si on sait pas la gérer après TH, voilà quoi. Ah, j'ai envie de te dire, justement avec une puissance ça fait que ça patine, surtout sur de la neige. J'ai des glissements, tu vois, et dans les lignes droites, bien sûr, j'ai fait. D'ailleurs,
serait pas un petit peu coupé avec un moment j'ai vu que t'étais coupé. Oh le PNJ. Tu as besoin de couper. Ça fait sous coucou. Hop là. Moi je t'attends hein. Salut de Paris. Comment vas-tu? Et surtout ravi de te voir sur le live. J'ai pensé que les réalisateurs voulaient tourner une scène chargée d'émotions. Tu sais, paysages somptueux, lignes qui s'intensifient et ces routes qui longent le Derwent Water. Je déteste son kit. Magnifique. Pareil. Alors, bah ça c'est son kit. Tu vas piloter ça. Et moi, c'est cette puissance et des cette suspension qui me donne de l'émotion. Après, heureusement, après ils ont mis la véritable Peugeot. Ah ouais, ça c'est sûr, les lambeaux sur la neige, ça patine de ouf. C'est parti, scène 48A, pointe de vitesse. C'est pour ça d'ailleurs, avant action. Je disais que l'hiver, je suis pas trop fan de ce Forza. C'est sûr, c'est joli et ça apporte un truc, hein. Les saisons c'est bien, mais ce que j'aurais aimé c'est qu'on puisse avoir le choix des saisons des fois. Ça aurait été bien. On puisse changer nous-mêmes les saisons. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi dans le chat si vous pensez comme moi que ça aurait été bien de pouvoir changer les saisons comme on veut, comme on le souhaite. Alors, faire un petit mode à part, un petit mode solo où on pourrait changer les saisons. Wow. Et toi, Tifu, t'en penses quoi? À 400 mètres. J'en pense que je suis sur le lac. Que tu m'as poussé sur le lac, du coup, à moi de gérer là. Enfin, je pense que, ouais, un mode genre changer de saison, c'est très bien. Ouais. On peut se choisir nos saisons nous-mêmes. Quand je fais des gauches droites avec mon volant. Ouais. Non, voilà. On a du 500. C'est vrai, ça, les saisons télé, ça serait hyper cool. J'espère qu'ils le feront dans le prochain Forza. Hein. De remettre même les sessions privées, tout ça, quoi, des trucs comme ça. Ouais, ça, il faut jouer entre nous. Je comprends pas parce que. Forza Horizon 3, il était bien en plus, tu sais, avec les festivals que tu extendais et tout ça, ça c'était bien. Je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés comme sur du FH2, tu as juste un seul festival. Ah, de toute façon, il faut faire des points, je sais pas si t'as vu. J'avais pas remarqué en fait. En plus, bon, FH2, il était déjà excellent hein, dans ce domaine. Hein. Forza Horizon 2, à 200 mètres. À tu pouvais être en solo, tu. Ça va? Il y a plein de choses que tu pouvais faire. On met tout en place et on l'a refait. Les road trips. Ouais. Bon, ça te dit, on décale de là et on va faire. Y'a quoi à côté de nous? Tu veux qu'on fasse quoi? On fait brise racine grid. Qui est juste à côté. Vas-y, je te suis. On est à droite, tiens, je crois qu'on s'y met. J'ai exprès d'aller doucement pour pouvoir te suivre, alors que cette voiture elle peut dépasser largement les 400. Et surtout l'accélération qu'elle a. Ah, le British Racing Green. Ouais, j'ai terminé ça.
T'as tout terminé? Ouais, j'avoue, ça serait tellement bien d'avoir des petites voitures, surtout comme moi T'as tout qui aime terminé. me promener, tu vois, des fois je sors la DS vu que c'est une voiture qui est pas trop puissante et qui est bien. Je l'adore, moi, la DS. La 205 aussi, bon, après ce sont tous des versions sportives, hein, forcément. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent une vraie DS3, pas une version racing, tu vois. Et ouais, comme dit, qu'ils mettent aussi d'autres voitures, genre des Clio non RS. Ça te dit on fait de l'autre côté de la ville, société de location de vitesse. Ouais, vas-y. Vas-y, on va changer de Ouais, c'est véhicule vrai pour la que route, hein, parce que Twingo, c'est ça pourrait être 1 km. marrant. De toute façon, ils ont déjà mis des pots de yaourt. Alors, un pot de yaourt Renault. Hein. Même pourquoi pas mettre une Citroën C1 aussi. Changer de voiture, je prends une. Petite Audi R8. Tu me suis, TH? Vas-y, je te suis. Enfin, t'es déjà parti loin. Bah non, je suis en train de changer de véhicule. J'ai pris une Audi, je suis là. Ah, j'avais pas vu, j'ai cru que t'étais parti vu que moi j'ai regardé le chat. Tu seras là toi le 23 voir les annonces. Le 23 quoi? La 23, tu sais, il y a Microsoft qui prend la parole et qui Ah, dit ce 23 là, oui. je vais rediffuser. Franchement, j'ai hâte de voir du gameplay de Halo Infinite. Ça, c'est un jeu que j'attends. Voir aussi s'ils vont présenter un nouveau Forza, hein. Je pense qu'ils vont présenter J'ai pas vu le camion. un Motorsport 8. Et d'ailleurs, bah, vous qui regardez live, dites-moi quel jeu vous attendez sur la prochaine génération. Et même sur cette génération, hein, vous pensez que Microsoft prévoit de sortir les exclus pendant 2 ans un cœur sur One. TH. Ah, j'ai cru que tu t'étais arrêté. J'ai pris la 4 voies. Ouais, je pense à quelle heure. Là, je vais pouvoir la pousser à 400. Moi j'ai pas le compteur, du coup comme j'ai le compteur mon coin personne, je suis à plus de 350, je peux choisir comme ça. 420. Il s'est mangé un camion. Rip. Putain, il fait chier les camions. Du coup, des fois, il n'y a personne sur l'autoroute et des fois, il y a plein de PNJ. Il paraît que sur PC, tu peux désactiver les PNJ. Je sais pas si c'est vrai. Ouais, je sais. Je sais pas. Ah non, je parais que tu jouais sur PC. Je joue sur PC, mais je sais pas si on peut désactiver les Ah ouais, PNJ. t'as jamais été. Jamais regardé. Jamais fouillé dans les paramètres. Là, il y a deux PNJ qui ont des spawns devant moi.
qu'on va faire une dernière activité, puis après on va se quitter. Donc ouais, au final, pas de GTA. Là, je vais modifier ça. Ouais, je viens juste d'arriver. Donc on voit si tu pars. Aujourd'hui, cherche quelque chose d'un peu plus tranquille. Genre balade dans la campagne, tu vois? Mais aborde quelque chose d'élégant, quelque chose de chic, quelque chose. C'est pas, mais. J'ai choisi la chose, j'aime pas. Zonda Shinkwe, l'un des 5 exemplaires Bugatti. Il faut bien soigner notre réputation. Et toi, c'est quoi que tu préfères, Tifu, en hypercar? L'itinéraire est planifié. Hypercar, vraiment, c'est la version sport. Faites le tour dès que possible. La chiant. Ouais. J'ai mis mes au début, mais maintenant je la trouve un peu trop ronde. Maintenant je préfère la chiant. Et la Divo aussi. La Divo, elle est moins rapide, mais elle est magnifique. Et après, il y a aussi la Sente Diesi. Tournez à droite. Donc pour 110 qui reprend le look de la ED110, hein, un petit hommage à la ED110. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tu vois, c'est relaxant, hein. Attends pas trop, je me suis bouffé un. La force à regarder le chat des fois, sauf que du coup ça fait que j'ai fait des conneries. Lui apportera toute la tranquillité recherchée. Viens me trouver pour le prochain test. J'ai déjà des idées. Quoi? Une étoile? Ah non, parce que je me suis foncé dans je ne sais pas quoi. Juste foncé dans un arbre. Moi, je suis arrivé en 1 minute 12. Je suis arrivé en 1 minute 12. Je peux t'arriver à combien, toi? 1 minute 25? Ouais. Est-ce qu'on termine sur une défaite ou est-ce qu'on relance? On va relancer, ouais. Hein? Donc on va terminer sur quelque chose de bien, je trouve. Cette fois, c'est de gérer.
monsieur. Ouais, t'inquiète, t'inquiète pour ça. Notre client d'aujourd'hui cherche quelque chose d'un peu plus tranquille. Bon, là, je vais me concentrer. Dans la campagne, tu vois. Mais aborde quelque chose. Ne regarde pas le chat. Quelque chose de chic, quelque chose d'italien. J'ai choisi la Pagani Zonda Cinque, l'un des 5 exemplaires au monde. Ne fonce pas dans le cul. Et quand t'arrives dans le rond-point, tu passes tout droit. C'est parti. C'est pas. Montre-leur comment on roule chez vitesse absolue. Oh mais t'as même plus avec moi. Ah tu viens de spawn devant moi, ok d'accord. J'étais derrière toi. Bon je crois qu'on a déjà perdu parce que je me suis crash. En fait, t'étais pas devant moi, t'as spawn devant moi et ça fait bugger ma voiture. Ma voiture est partie tout seul à gauche. J'en tombe possible pour rattraper. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tu vois, c'est relaxant, hein. Non, je me suis crash, je me tête à queue, oh là là. Oh là là. La neige, c'est vraiment de la merde. Hein. Je vais informer le client que cette voiture lui apportera toute la tranquillité recherchée. Viens me trouver pour le prochain test. J'ai déjà des idées. Une étoile, hein, ça fait rien. Le live ici. Ben, merci à vous d'avoir regardé ce live hein. Et on se retrouve jeudi 23 pour la conférence Xbox pour la présentation des jeux nouvelle génération. Et comme d'habitude hein, je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Renard. Bye, à la prochaine tout le monde. Allez, au revoir.